Il y avait une odeur pas possible, une odeur tellement douce que ça réveillait le père de la petite et puis sa maman. Comme ça, le papa se réveille et puis il demande à sa femme, ah, il fait nuit, comment tu peux parfumer? Elle dit non, je n'ai rien parfumé. Que moi, mais je suis étonnée. En même temps que ils sont en train de voir, parler de ça, parce que la petite dort. Dans chose qu'on appelle ça, ils ont mis un matelas parce que comme elle fatigue un peu ses parents, souvent quand elle est dans son berceau, elle cherche à descendre. C'est comme ça, les parents maintenant ils ont mis sa couchette par terre. C'est-à-dire c'est un bon matelas par terre. Ça fait que quand elle se réveille, elle se lève, elle vient trouver ses parents sur le lit. Et puis c'est comme ça, ils se rendent compte que la petite n'est pas dans la chambre avec eux. Ils sont étonnés. Ils ne ferment pas les chambres parce que quand ils mettent le clim à marche, voilà, ça prend tout. Ils ne ferment pas les chambres. C'est comme ça, ils se rendent compte que la petite au salon et puis elle joue seule. Ce que je suis en train de vous dire, je jure sur la vie de mes enfants. La petite joue seule au salon. Que les parents sont étonnés, la petite rit seule. Rita a visité la petite. La petite Thérèse, eux-mêmes là, ils étaient tellement étonnés qu'ils ont regardé la petite, tous les gestes que la petite faisait, mais ils savaient que la petite ne jouait pas seule, elle jouait avec quelqu'un, mais quelqu'un c'est qui? C'était Rita de Carcia. C'est pour vous dire que ce que Berger Raphaël donne, moi j'attrape votre pied, mettez votre confiance en ce qu'il nous donne. Exemple, moi ce que je peux, ce conseil que je nous donne à nous tous, hein, on doit dire à Berger Raphaël, fais une gamme pour nous donner. Cette gamme-là, on doit se laver avec. Moi, je dis Berger Raphaël, c'est notre ange gardien. Cette grâce-là, on ne gagne pas deux fois. C'est vrai. Il y a des gens, il y a des personnes qui vont remplacer Berger Raphaël. Mais qu'est-ce qui prouve que ils vont nous donner ce que Berger Raphaël nous donne? Moi aujourd'hui, je dis Berger Raphaël, c'est mon ange gardien. Qu'il pleut, qu'il neige, si on dit de ne pas dire ça, moi je dis oui que Berger Raphaël est mon ange gardien. Parce qu'il a fait beaucoup pour ma vie, dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Et puis dans la vie de d'autres personnes qui l'ont écouté. C'est vrai qu'il y a des personnes qui l'appellent. Je donne des numéros. Il y a des personnes qui l'appellent. Bien, il y a des personnes. Bon, je sais ça. Bon, je pense parce que je ne peux pas rentrer dans la vie privée des gens. Mais je dis oui que moi, ce que je dis, donne. J'ai dit à Dieu de donner à Berger Raphaël. C'est vrai, je ne sais pas prier, mais je demande à Dieu qu'il donne la grâce, la sagesse à Berger Raphaël. La manière qu'il a donné longévité à Abraham, à Moïse, à Jacob, à tous ceux-là. Je veux qu'il donne ça à Berger Raphaël. Que Berger Raphaël ait son bâton, qu'il marche avec, qu'il soit vieux, qu'il nous voit, nous ses enfants, réussir dans la vie. C'est vrai, c'est pas facile. Mais quand tu mets ta foi en ce que tu es en train de faire, ça porte des fruits. Moi, je vous dis, c'est pas on. Moi-même, tester et puis approuver les bienfaits de Berger Raphaël. Tout ce qu'il donne là, c'est pas à peu près. C'est la réalité, c'est du vrai, c'est du bon. Toi, tu mets ta confiance. Tu mets ta confiance dans ce qu'il te dit de faire. Tu auras la solution à ton problème. Tu auras la solution à ton problème. Moi, aujourd'hui, j'ai la paix. Je ne peux pas dire que ma vie est... Mais une grande partie, c'est grâce à Berger Raphaël. Je n'envie pas aujourd'hui les gens qui vont chez les marabouts. Non, 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 non. C'est vrai. Ça, c'est en vain. Moi, aujourd'hui, je demeure dans l'église catholique. Même si tu n'es pas à l'église catholique, tu es dans une autre église, cherche à voir Berger Raphaël. Il va t'aider. Nous, les Ivoiriens, on ne met pas notre confiance à quelqu'un comme ça. Hein. Mais si moi, aujourd'hui, je suis prête à mettre ma main au feu pour Berger Raphaël. En tout cas, Berger Raphaël, je te souhaite longue vie à toi, à ta famille. Merci beaucoup.